Donc tout ce que tu as dans ta zone de confort, c'est ce que tu as aujourd'hui. Et tout ce que tu veux dans ta vie, que tu rêves, que tu aimerais avoir, est en dehors de ce cercle. Tu vois, il est en dehors de ce cercle. Tout ce que tu veux dans ta vie, dont tu rêves, que tu n'as pas encore, est en dehors de ta zone de confort. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne c'est pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé, motivé à pouvoir créer ton business en ligne et pouvoir être libre quoi, en fait. Tout simplement pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Okay. Moi depuis que j'ai créé mon business en ligne, bah, du coup j'ai pu aller dans les pays où je voulais aller, dans les villes, parce que déjà les States, quand tu vas aux States c'est big hein. Donc il y a grave des villes, j'ai fait Atlanta, des trucs que tu vois à la télé. Atlanta, Miami, ok, aujourd'hui je suis en Colombie. Les gars, il n'y a pas mieux, la liberté, il n'y a pas mieux. Quand vous avez goûté la liberté, vous n'allez jamais vouloir revenir en arrière. Les histoires de demander à son patron, oui, est-ce que je peux prendre des vacances parce que Charlie, la dernière fois, il avait pris Noël. Est-ce que cette fois-ci, je peux prendre Noël ou au jour de l'an? Ah, d'accord. Ok, bon, je vais travailler alors. Non, ça c'est fini ça. Ok. Donc les gars, j'ai réussi à le faire, j'ai créé mon business en ligne, d'accord, en 2016. J'ai fait un lancement, ça fait 20 000 euros en une semaine. Et pourtant, j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP, j'ai réussi à le faire, arrêtez de chialer. T'as tout en description si jamais tu veux avoir plus d'informations là-dessus. Et passons directement au sujet de la vidéo. On va voir ensemble dans cette vidéo les différents sacrifices qu'il faut faire pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir devenir riche. Ok, c'est pas magique, il y a des sacrifices à faire. J'ai l'impression que les gens, tout le monde veut devenir millionnaire en 5 mois. Même en un an, sachez les gars que c'est des épiphénomènes, ok? Sachez que c'est pas tout le monde, ok? C'est très rare. Si jamais tu arrives à être riche entre 0 et 5 ans, t'es bien, ok? Et normalement, ça posera pas de soucis. 0 à 5 ans, 5 ans quand même, si tu charbonnes et tu suis les stratégies, en tout cas moi je t'enseigne, que je te partage, t'es obligé d'être à l'aise. T'es obligé d'être à l'aise. C'est pas possible de pas être à l'aise. C'est juste à abandonner. C'est pour ça que j'aime bien, c'est pour ça que je parle tout le temps d'influenceur 2.0. Parce que mathématiquement, en fait, tu ne peux pas perdre. Ça veut dire que tu ne peux pas échouer. Réellement. C'est si tu suis les stratégies que je te donne, tu lâches pas, tu es obligé d'être bien. Je n'ai pas dit que tu deviendras millionnaire, mais tu es obligé d'être à l'aise, pouvoir vivre de ton business. Déjà, la première étape, les gars, c'est pouvoir quitter votre taf, les gars. Vivre de son business. Être à l'aise, voyager où tu veux, quand tu veux. C'est déjà ça la première étape, avant de dire oui, je veux faire le million. Parce que je peux te dire, déjà, ça change ta vie. Hein. Cette première étape-là, tu n'as plus de patron, tu te lèves. Il n'y a pas d'alarme, tu te lèves comme ça quand c'est le moment où tes yeux s'ouvrent. Gars, ça n'a pas de prix ça. Hein. Imaginons que tu fais, imaginons, je sais pas moi, 3000 euros avec ton taf et que là tu fais 2000 euros avec un business en ligne. Imaginons, je peux t'assurer que tu vas préférer faire 2000 euros avec ton business en ligne que de faire 3000 euros avec ton taf. Mais c'est clair, parce que là t'es esclave en fait. T'es esclave de ton patron, t'es obligé d'y aller, t'es obligé de te donner pour les vacances, etc. Donc déjà, première chose les gars, on va remettre les choses dans la vérité, un peu dans le cadre. Déjà, faites un truc pour pouvoir être libre. Pouvoir vivre de votre business. Okay, c'est pas genre tu vas essayer de penser moins grand parce que ça sert à rien, tu pars de zéro, t'as aucune connaissance, t'as rien, à moins que tu sois déjà sur le chemin. Mais de toute façon, si tu vises le million, tu as déjà du gros chiffre d'affaires déjà. Okay, zéro comme ça d'un coup, comme ça, million, c'est faut commencer déjà. Okay, donc le business, il y a des sacrifices à faire et c'est pour ça que tout le monde n'y arrive pas et c'est pour ça que tout le monde chiale après sur internet. Parce que les gens, ils abandonnent, ils n'ont pas les bonnes stratégies, etc. Et c'est vrai que ça, on pourrait croire que c'est facile, notamment par exemple moi je fais à chaque fois des interviews et peut-être que je participe aussi à ça. Bon, ce n'est pas l'objectif, moi l'objectif des interviews c'est de pouvoir vous inspirer, mais peut-être qu'il y a des gens qui regardent les interviews, comme ils voient il y a 50 000 interviews et que tout le monde a tout pété, tout le monde, il y a plein de gens dans les interviews qui ont fait des millions, j'oublie maintenant tellement j'ai interviewé de personnes, mais ça c'est des épiphénomènes les gars, ok? Les gens qui font un million en un an, c'est pas tout le monde qui fait ça. Toi déjà si tu fais 10K c'est bien. Donc on va parler vrai dans cette vidéo et je vais te dire exactement les sacrifices que ça va te demander de pouvoir créer ton business et pouvoir t'enrichir. Et tu vas comprendre directement pourquoi 87% de la population ne s'enrichissent pas. Parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Donc premier sacrifice, c'est que tu vas travailler tous les jours. Ça, je sais que c'est un concept que j'avais du mal. Je me rappelle quand je ne m'étais pas encore lancé dans l'entrepreneuriat, je connaissais quelqu'un qui avait déjà commencé, qui avait son magasin, un magasin de vêtements et tout. Et cette personne-là, elle disait « Ouais, tu travailles tous les jours, même samedi, le dimanche. » Je lui dis « Ah bon ? Mais comment ça ? Mais non, enfin, week-end et tout, na. » C'est là que tu vois qu'on est formaté avec l'école, l'emploi. Oui, un week-end, ça s'arrête, le temps, il s'arrête. Genre, l'entreprise, elle s'arrête. Ben non, ton entreprise, en fait, elle s'arrête jamais. Tu penses constamment.
c'est pas possible de genre pendant un jour tu penses pas à ton business. C'est impossible en fait. C'est tout simplement pas possible. Tu vois, mais ça, c'est, j'avoue, tu le comprends quand t'es dedans. Quand t'es pas dedans, tu te dis, bah attends, c'est bon, faut prendre un week-end, les gars, ça va. Ok? Donc, premier sacrifice, c'est que tu vas travailler tous les jours. Mais tu vas le faire naturellement. Deuxième sacrifice, c'est que du coup, tu as moins de temps libre. Bah, ça, c'est logique. Tu peux pas avoir le même temps libre que les gens qui ne veulent pas devenir riches, ou en tout cas ne mettent pas en place des actions pour pouvoir devenir riche. Tu peux pas avoir le même temps qu'eux, alors que toi, tu veux devenir riche. Tu vois, c'est pas possible, tu vois. Objectif, il faut que les actions suivent, tu vois. Donc, si jamais tu vois que tu es comme tout le monde, tu as le même temps que tout le monde, tu es libre comme ça, c'est qu'il y a un problème. Troisième sacrifice qu'il va falloir faire, c'est que les soirées, tout ça, nuit blanche, là, faut arrêter ça. Ça, faut arrêter. Alors, je sais que tu vas voir des gens sur Instagram, « Ah, ils sont en soirée, nanani, nanana. » Écoute-moi. Moi, ce que je te dis, c'est des trucs généraux. C'est des trucs qui fonctionnent. Les gens qui réussissent en allant en soirée tous les soirs, moi, je connais pas. Je connais pas. Quand tu as ton propre business, tu fais nuit blanche, tu fais soirée, tu bois de l'alcool. Le lendemain, tu es exposé. Tu n'as pas du tout l'énergie pour pouvoir bosser sur ton business et pour pouvoir évoluer. Donc, ce qui va se passer, c'est si jamais tu commences à sortir une fois que ton business a déjà un peu décollé, si jamais tu sors comme ça, ben, ton business il va juste stagner. Donc, tu vas repartir à zéro, tu vas perdre de l'argent parce qu'en plus, c'est de la dépense. Et si jamais tu n'as même pas encore commencé, mais tu ne vas jamais te lancer dans ton business. Tu seras KO, tu seras fatigué en fait. Et quand tu es fatigué, tu n'as pas d'énergie. Ce n'est pas comme quand tu vas genre pointer à ton travail de 8 à 7. Là, tu te sors de ton truc, même si tu es fatigué, tu n'as pas besoin d'un niveau d'énergie élevé, tu vois, pour pouvoir faire ton taf. Okay? Quand tu as ton propre business, il faut vraiment que tu aies de l'énergie parce que sinon, tu auras la flemme. Et si tu as la flemme, tu vas rester, tu vas regarder Instagram toute la journée et tu vas rien faire de ta journée parce que tu es KO. Donc, c'est pas parce que tu vois des gens sur Instagram qui font des soirées blanches, des soirées à tout va et te dire « Ah, ben c'est comme ça la vie, c'est comme ça. » Moi, je te dis la vérité. S'il y en a, c'est peut-être une exception comme ça. Et encore, franchement, c'est pas possible de pouvoir tout péter, tout exploser en sortant en soirée comme ça. Il y a plein d'entrepreneurs, ils te disent… Enfin, ceux qui ont des réussites beaucoup plus élevées, hein, pas les gens qui sont sur Instagram, qui viennent d'avoir fait un lancement et qui dépensent tout leur argent en soirée. Je parle des gens qui ont construit un empire, ils disent « sortent pas, ils sortent pas ». Après, je ne te dis pas de ne pas sortir, mais ce qui est sûr, c'est que tu fais ton choix, c'est un sacrifice. Si tu veux sortir, ben, sors, après, il ne vient pas de plainte. Fais ton expérience, tu verras. Quatrième sacrifice, c'est de se former constamment. Les gens, ils ont un problème avec ça. Sur le fait de se former, bon, je sais pas c'est quoi le truc, ça me paraît tellement logique en fait. Comment tu veux, si jamais tu veux de nouveaux résultats dans ta vie, okay, l'argent que tu veux avoir, ça veut dire qu'il faut que tu deviennes, il faut que tu aies de nouveaux résultats dans ta vie. Et pour pouvoir avoir de nouveaux résultats dans ta vie, okay, qui va te permettre d'avoir cet argent-là, okay, il faut que tu entames de nouvelles actions. Et pour pouvoir entamer ces nouvelles actions, il faut que tu deviennes une nouvelle personne. Et pour pouvoir devenir une nouvelle personne, il faut que tu aies des nouvelles connaissances. Parce que du coup, tu auras les mêmes actions que tu as avec la connaissance que tu as aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on agit par rapport à la connaissance que l'on a. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, du coup, moi, je me rappelle que je voulais créer un business en ligne. Non, au début, je voulais faire de l'argent. L'opportunité qu'on m'a proposée à ce moment-là, c'est de créer un business en ligne par rapport à ta passion, etc. J'ai dit, bah vas-y, ça tombe bien, j'ai une passion, j'ai le saxophone. J'ai dit, bah vas-y, je me lance. Et voilà, donc j'ai acheté, donc je me suis formé. Je n'ai pas dit « Ah ouais, ça serait bien que je me lance, super, ben vas-y, je me lance. Ben, » je ne sais même pas comment faire. Tu vois, c'est pas devenir riche. Ok, je crée un business en ligne, j'aimerais générer du cash. Comment on fait, tu vois? Et donc voilà, j'achète une formation, boum, et après voilà, j'ai pu l'appliquer. Tu vois, et c'est pour ça que j'ai réussi à faire un lancement après à 20 000 euros. Ben, après, je me continue à me former, je n'ai pas pris cette formation, je me suis formé. Et voilà, j'ai acquis de l'expérience, etc. Et aujourd'hui, tu peux en bénéficier grâce à ma masterclass où je te montre justement ben, comment j'ai fait en détail pour pouvoir faire les 20 000 euros par mois. Ou sinon, tu as la formation Influenceur 2.0, tu es libre de pouvoir y accéder. C'est un prix super accessible et si jamais tu veux faire de l'argent sur Internet, ben, tu as toutes les stratégies. Tu vois, je t'explique de toute façon tout dans le lien qui est juste en dessous. Ok? Donc, il faut toujours se former. Que ça soit au niveau mindset, hein, donc ça c'est beaucoup les livres, ok, les livres c'est du mindset, hein, c'est pas des stratégies, c'est du mindset, ou c'est des stratégies longues, tu vois, des stratégies, comment dire, long terme, genre comment fonctionne l'être humain, comment le marketing d'une manière générale fonctionne, tu vois. Donc lire des livres pour que ça reste, que tu puisses renouveler toujours, avoir une bonne vision, avoir de la motivation et être inspiré. Et après, ben, formation en ligne pour pouvoir savoir comment faire.
Une fois que tu sauras comment faire, tu vas te débrouiller toi-même, tu vas faire tes propres expériences, tu vas faire tes propres actions parce que tu as déjà appris comment faire. Tu vois, moi, je ne vais pas prendre, par exemple, une formation pour comment créer un business en ligne, je sais déjà comment faire. Okay? Donc maintenant, c'est à moi, comme j'ai déjà la connaissance, hein, parce que plus tu vas avoir de la connaissance, plus ce sera difficile de trouver des nouvelles connaissances dans d'autres formations, puisque tu as déjà pratiquement tout. Donc, ça se trouve, tu vas acheter une formation, il y aura un ou deux trucs qui sera intéressant pour toi, tu vois. Donc, c'est bien, mais en gros, plus tu vas avoir de la connaissance, plus ça va être difficile de trouver des nouvelles connaissances pour passer encore à l'étape au-dessus. Et du coup, à ce moment-là, il va falloir que toi-même, tu testes, etc., etc. Et c'est ce que je te partage d'ailleurs dans Influenceur 2.0. Je te montre exactement comment aller rapidement, tac, 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 pas perdre de temps, pas faire des choses qui ne sont pas forcément efficaces. Quatrième sacrifice, si on peut appeler ça sacrifice, c'est de devoir prendre soin de sa santé. Ne pas boire, ne pas manger correctement. Tout ça, c'est super important. Et là, c'est pareil, tu vas me dire « Ouais, mais je connais un obèse qui est milliardaire, etc. » Déjà, en plus, mon exemple, je ne sais même pas s'il est bon, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait ça. Mais imaginons que oui, ça soit vrai. Ne vous fiez pas aux exceptions, les gars. C'est juste du bon sens. Si jamais tu veux t'enrichir, il va falloir que tu aies en pleine énergie. Donc, si jamais il faut que tu sois en pleine énergie, il faut que ton corps soit en forme. Donc, s'il faut qu'il soit en forme, ton corps, ça veut dire qu'il faut que tu en prennes soin. Et si tu commences à lui envoyer de l'alcool, on sait tous que l'alcool, c'est pas bon pour la santé. Si c'est pas bon pour la santé, c'est que ça a un impact. Si c'est un impact, ça veut dire que du coup, moins ton corps est en forme, ben moins tu peux être efficace. Si jamais tu manges pas bien, c'est la même chose. Donc, d'une manière générale, prendre soin de sa santé pour pouvoir avoir, l'objectif c'est d'avoir de l'énergie, en haute énergie quoi, d'être toujours en haute énergie pour pouvoir passer à l'action massivement. Parce que si t'as pas la santé, avant tout c'est la santé, hein. La santé et après argent. Après tu mets ce que tu veux derrière, mais les deux premiers, le premier ça va être la santé. Hein. Tu peux avoir tout l'argent du monde, si t'as pas la santé, t'es cuit. Autre sacrifice que tu vas devoir faire, c'est de passer à l'action massivement sans savoir si ça va fonctionner. Okay, ça peut être super frustrant de passer à l'action. Tu passes à l'action, tu passes à l'action, ça passe à l'action, mais ça ne te donne jamais le résultat que tu veux. C'est super relou, mais c'est un sacrifice que tu dois faire. Et c'est la même chose pour tout le monde. Ce n'est pas plus difficile si jamais tu es dans cette situation en ce moment. Tu es dans ton business, quel que soit le business dans lequel tu te lances, que ce soit du trading, de l'immobilier, que ce soit de l'e-commerce, que ce soit Influenceur 2.0, que ce soit tout ce que tu veux, c'est toujours du passage à l'action massive. Tout le monde l'a fait. Quels que soient les plus grands que tu connais, ils sont tous passés à l'action massivement. C'est un sacrifice que tu dois faire et ils ont fait plein d'erreurs, tout le monde, tu peux lire toutes les biographies que tu veux, ils se sont tous fait, ils sont tous déchirés dans plein d'endroits, tout le temps, parce qu'ils sont passés à l'action massivement. Donc imagine les gens qui ont peur de passer à l'action, qui sont là, est-ce que c'est bien sûr que je dois me lancer parce que je ne suis pas sûr? Mais les gars, vous n'êtes pas prêts, parce que le chemin dans l'entrepreneuriat, c'est des échecs constamment. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu réussis, parce que tu as tellement passé à l'action qu'à un moment donné, échec sur échec sur échec sur échec, ça te fait l'expérience. Hein? Et ce que d'ailleurs après te permet de pouvoir enseigner aux autres, ok, ne passez pas par là, la gars, je suis déjà passé par là, ça ira plus vite. Donc sans échec, il n'y aura pas de réussite et donc il faut du coup passer à l'action massivement et ça te prend du temps et ça peut être découragé. Donc c'est ça que je le mets dans la case sacrifice, parce que ça prend du temps et tu n'as pas forcément le résultat que tu veux. Autre sacrifice, c'est que tu ne verras plus tes amis aussi souvent qu'avant. Donc après, voilà, moi je pars du principe, partez dans un principe où genre de 0 à 5 ans, les gars, vous êtes enfermés, vous êtes focus. Il y a des gens qui le font pour leurs études. Je parlais avec quelqu'un qui me disait, ouais, j'ai été faire mes études à, je sais plus, c'était où, à Chicago, je crois, pour pouvoir valider tout ça, machin. Ça lui a pris 3-4 ans, je crois. 3-4 ans. Et elle a charbonné de malade. Elle a charbonné de malade. Elle a dit qu'elle sortait pas, qu'elle faisait que étudier. Donc les gars, si des gens peuvent le faire pour pouvoir avoir un diplôme, un papier, ok, qui concrètement ça sert plus à grand chose aujourd'hui, hein, surtout à l'époque de la crise coronavirus, tout ce que tu veux. Si des gens peuvent le faire pour des études, rester focus, tout ça, les gars, vous pouvez le faire sur le business. Les gars. Et l'effet de levier il est beaucoup plus élevé. Donc soyons intelligents. Soyons intelligents, soyons focus et ne nous laissons pas mener par l'émotion. Oui, c'est trop dur, je sais pas quoi. Ok, pars sur le principe genre de 0 à 5 ans, on reste focus. Donc oui, tu vas moins voir tes amis. Oui, tu vas moins regarder Netflix. Mais après, c'est un choix. Ok, le monde n'est pas encore assez fou pour pouvoir récompenser des gens qui ne le méritent pas. Avant-dernier sacrifice que tu vas devoir faire, c'est d'accepter la gratification non immédiate, mais antérieure. Okay, la plupart des gens vivent par gratification immédiate. Donc, ça revient un peu de « oui, on part sur 5 ans », tu vois. C'est que les gens, en fait, ils veulent tout de suite. Et c'est pour ça que les crédits font fureur. Même si tu as des taux, des fois, 50%, 30%, bon, tu sais, on est toujours dans l'exagération. Mais
C'est pour ça que les crédits, ça marche aussi bien. Les paiements en 4 fois, en 20 fois pour acheter une banane, eh ben, ça fait fureur parce que les gens, ils veulent tout de suite. Ils ne supportent pas la frustration de y a une BMW, non, je n'ai pas les moyens de l'acheter, comment ça Et au lieu de transformer cette frustration sur comment je peux faire pour faire de l'argent, ils n'y pensent pas, non, ils se disent bon ben, je vais prendre un crédit. Puis après, ils prennent un crédit, puis après, à la fin de chaque mois, ils reviennent à zéro. Ils touchent leur paye, boum, ça part dans un crédit maison, crédit voiture, il ne reste plus rien. Après, dire, c'est dur de joindre les deux bouts. Hein. Je ne sais pas où part l'argent. Ben si, moi, je sais, moi. Il me part dans des conneries. Si je ne partais pas dans des conneries, ton argent, il serait toujours là. Ok, donc super important, ne pas céder la gratification immédiate. Et ça, c'est le plus difficile et c'est là où tout le monde se fait gifler, même les entrepreneurs, même ceux qui commencent déjà à générer du cash. Parce que je te rappelle, il y a 3 étapes dans l'argent. De toute façon, je ferai une vidéo là-dessus, il me semble que j'ai pris de notes, je ferai une vidéo là-dessus. C'est comment faire de l'argent, comment le garder et comment le multiplier. Donc, si te manque un des 3, t'es cuit, t'es pas libre en tout cas. Et la gratification immédiate, eh ben, te défonce un des piliers là. Autre sacrifice, et c'est pas du tout le dernier, en fait, il en reste 2, je savais pas. En fait, j'ai mal noté, en fait. J'ai noté, mais je ne l'avais pas vu. Okay, c'est autre sacrifice aussi, qui est difficile et qu'il faut que tu le saches, c'est que au niveau de la stabilité de tes revenus, les premières années, peut-être pas les premières années, si on va dire les premières années pour rester large. Bon, en tout cas, l'influenceur 2.0, la première année, on va dire. Tes revenus ne sont pas stables. Si jamais tu crois que tu vas toucher un salaire, déjà, ce n'est pas un salaire, c'est des revenus, c'est du chiffre d'affaires. Hein. Si tu crois que tu vas toucher tous les mois, boum, de l'argent comme ça, qui tombe comme ça, comme si c'était tu travailles à la poste et que ça tombe sur ton salaire tous les 30 du mois, non, ça n'a rien à voir. Et tu pourras peut-être toucher 200 euros ce mois-ci, après 2000 euros, après 3000, après 500. En fait, ce n'est pas stable. Okay, ceux qui cherchent la sécurité absolue, ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat. Si jamais vous savez pas être autonome, parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, tu es autonome sur tout. Ça veut dire que tu prévois ta retraite. Moi, je compte pas sur le gouvernement pour mon retraite. Ce serait faire preuve quand même d'une foi trop grande, hein, à mon avis. Je suis pas sûr que vous allez toucher une retraite, les gars. Donc déjà, quand tu es entrepreneur, tu es obligé de tout gérer par toi-même. La retraite, économiser au cas où si jamais il y a des coups durs, etc. Parce que tu sais que tes revenus, ben, ça peut monter, ça peut descendre. Donc ça, c'est un sacrifice à savoir qu'il va falloir que tu fasses. Tu n'auras pas un revenu tous les mois qui tombe sur, il n'y a pas de problème, quoi. Avant-dernier sacrifice, non, celui-là, c'est vraiment vrai. Avant-dernier sacrifice, c'est que tu seras constamment en dehors de ta zone de confort. Constamment. Si jamais tu veux t'enrichir, tu veux toujours t'enrichir, tu vas toujours devoir faire des choses que tu n'as jamais fait la veille. Ça va toujours être des nouvelles choses. Ce n'est pas possible de rester dans sa zone de confort et de gagner plus. Ou d'avoir plus dans sa vie, c'est pas possible. Ok, ta zone de confort, imaginons que c'est ça aujourd'hui, tu as tes habitudes. Donc, la zone de confort, c'est bah, tout ce que tu as l'habitude de faire tous les jours, hein. tout ce qui pour toi est simple, tout ce qui te demande pas de courage en fait. Ok, à partir du moment où tu n'as pas peur de faire quelque chose, c'est que ça te demande pas de courage. Et si ça te demande pas de courage, c'est que tu es dans ta zone de confort. Et si tu es dans ta zone de confort, si tu es dans ta zone de confort, hein, eh ben ça veut dire que tu n'auras pas plus dans ta vie, tu auras exactement ce que tu as déjà aujourd'hui. Donc, tout ce que tu as dans ta zone de confort, c'est ce que tu as aujourd'hui. Et tout ce que tu veux dans ta vie, que tu rêves, que tu aimerais avoir, est en dehors de ce cercle. Tu vois, il est en dehors de ce cercle. Tout ce que tu veux dans ta vie, dont tu rêves, que tu n'as pas encore, est en dehors de ta zone de confort. Donc, il va falloir à chaque fois être en dehors de ta zone de confort. L'objectif, c'est d'être même dans confort, dans l'inconfort. Comme moi, par exemple, je suis arrivé à un stade où j'ai tellement l'habitude de voyager un peu partout, dans tous les pays, que maintenant, je suis confortable d'être dans un pays étranger sans même parler la langue. C'est-à-dire, je ne suis pas en pression. Je ne suis pas... Ça ne me demande pas, mettons, genre... Je ne suis pas en stress. C'est cool. Tu vois. Et bien, toi, ce sera pareil. Tu veux t'enrichir, ben, il va falloir être constamment en dehors de ta zone de confort, constamment te former, faire des nouvelles actions, tester des nouvelles choses. Et dernier sacrifice, c'est de vouloir payer le prix aujourd'hui. Donc, ce qui résume un petit peu tout ce que je viens de te dire. Il va falloir que tu payes le prix aujourd'hui pour pouvoir te payer n'importe quel prix dans le futur. Hein, ce qui est la traduction de l'une des phrases phares de Grant Cardone qui m'a parlé énormément quand j'ai entendu la première fois. Paye le prix aujourd'hui et tu pourras te payer n'importe quel prix aujourd'hui. Il n'y a pas de réussite facile, les gars. Même si ça peut paraître comme ça lorsque vous voyez mes interviews avec d'autres gars, vous vous dites « Oh, mais c'est facile !» Non, ce n'est pas facile. Peut-être qu'après, des fois, on rentre pas en détail pour vous montrer vraiment que c'était chaud. Ou peut-être que votre cerveau juste omet cette partie. Parce qu'en général, je pose des questions là-dessus sur comment tu as galéré, etc. Donc, ce n'est pas facile en fait. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne.
Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Quel que soit ce que tu vas chercher, c'est pas peine d'aller partout, ça va être difficile partout. Ok? Dans tous les domaines, ça va demander persévérance, échec, et ça sera égal réussite, quel que soit le domaine que tu vas choisir. Ok? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime parce que tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas parce que tu voulais pas savoir la vérité en fait. Tu voulais que je te dise oui, c'est facile, fais, tu vas devenir millionnaire dans 4 mois. Ah non, c'est pas vrai. Ok? C'est un business comme un autre, il va falloir charbonner. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. C'est ça qui déchire. On vit dans une ère où c'est possible. On oublie même ce truc-là. Maintenant, les gens ils sont déçus. Ah ouais, mais je voulais faire cette formation, je pensais que tu allais être millionnaire. Mais qui t'a dit qu'en faisant une formation en ligne, tu allais devenir millionnaire? Qui t'a dit ça? Oui, tu as les éléments et le savoir suffisant qui peut te permettre d'être millionnaire, bien sûr. Mais ça va prendre du temps. Il va falloir que tu fasses ton expérience aussi, que tu sur le terrain, etc. Tu vois? Il faut que tu aies aussi le bull mindset. Voilà. Donc les gars, si vous voulez aller plus loin, tu es libre de pouvoir accéder à la formation Influenceur 2.0. Je te montre exactement comment gagner de l'argent grâce à Internet. Ok, tu as tout, je t'explique tout dedans, comment vivre. Si tu es coach, tu as une expertise, une passion, un truc comme ça, bah alors là, tu feras de l'argent, tu feras rentrer de l'argent dans les prochains mois. Ça, c'est sûr et certain. Ok, alors faut pas que je dise sûr et certain, mais en tout cas, il y a au moins 60%, 70% que tu fasses de l'argent dès le premier mois. Si c'est pratiquement obligatoire si tu suis ce que je te dis dans cette formation. Ok, sinon tu as la masterclass où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. Ok les gars, donc on lâche rien les gars, vous avez tout en description, vous n'avez pas d'excuses et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp.